Ok, chers frères et sœurs, bonsoir à tous. Hein. Toutes mes excuses pour ces légers retards, mais ça ne dérange pas. Nous allons travailler parce qu'il fallait d'abord que je prenne un très bon bain et que je mange aussi bien. Vous savez que quand vous êtes bien né, vous avez une belle femme qui est velue, brune, et que vous l'embrassez très bien toute la journée. Et il est question de venir faire ce que vous savez faire de mieux. Donc j'ai mangé du poulet avec du riz, avec les fruits d'ananas et de la pastèque. Donc voilà pourquoi j'ai un peu pris ce retard. Mais bon, toutes mes excuses. Hein. Et je remercie tous les internautes frères, ceux qui adorent ce que j'ai fait. Nous sommes déjà à 3000. Je pense qu'en moins de 2 mois, c'est un satisfait vraiment très important parce que je n'ai pas acheté votre conscience. Je ne me suis pas compromis parce que c'est un malfaiteur et c'est un haineux. Certains aristocrates comme le gratté-gratté de Paris et Paul Chouta, celui qui a sodomisé Stella pour avoir la chevalière maçonnique pour devenir comme biopharma. Je suis moi-même, Sébastien Ebala, le mignon garçon du centre, l'homme qui adore les femmes velues, brunes. C'est ma qualité de femme là-bas. Donc merci, merci chers frères. Je suis vraiment très ravi hein, de vous retrouver à nouveau. Donc, nous allons parler des choses plus importantes. Vous savez, le Cameroun est cher pour nous. Moi, je ne vais jamais aller me faire sodomiser parce que je vais aboyer comme un perroquet à RFI France 24 avec les pieds qui sont formés comme le crapaud. Donc, je n'ai pas plusieurs couleurs sur moi. Vous voyez comment cette nouvelle chemise, la Ralph Lauren, nouvellement sortie de la boutique, je l'ai portée aujourd'hui. Donc, vous savez, la télé, c'est aussi l'image, hein. Quand vous êtes laid, vous êtes crasseux, avec une dentition qui laisse à désirer, comme le Michael Jackson de Paris, l'homme qui s'est garni comme les femmes. Vous savez que du côté de Paris, là-bas, les couches jetables ne peuvent pas manquer. Le gratter, gratter. Alors, chers frères et sœurs, j'ai suivi une toute petite anecdote qui m'a été rapportée, que le gratter, gratter, l'aristocrate, le Michael Jackson de Paris, dit que Bruno Bidjangma a reçu à la mobile les Ligue Sono. J'ai sorti du bunker. Pour ceux qui me connaissent très bien, savent même d'abord que je ne suis pas quelqu'un qui fréquente les boîtes de nuit, non plus les bars, et je ne consomme pas l'alcool. Donc, le gratter, gratter, vraiment, moi je me disais vrai, vrai que tu étais un diseur de vérité. Hein? Donc, tu es un menteur comme ça. Et Antizambo, mon frère, l'homme et ne ment pas. Les fils de la forêt sont dignes. Et l'une de notre particularités, c'est que nous sommes les seigneurs. Mais si un seigneur se dénature, va se faire sodomiser par Juan Gomez et Alain Foucault parce que tu voulais tout simplement être recruté à RFI. Moi, je connais comment tu as fait pour arriver là en France. Comment le ministre Mbaragambo t'a sauvé quand on voulait te tuer ici. Un minable comme toi. Un pauvre type. C'est Santo qui payait la chambre là où tu dormais. Hein? Alain Foucault t'a soumis à la sodomie parce que lui-même, c'est un homosexuel comme Juan Gomez. Comme RFI, c'est le bastion de l'homosexualité. Toi, tu peux parler de moi. Prononce-moi. J'attends que tu me prononces. Tu dis que Bruno Bidjangma a reçu. Et Antizambo. Et vraiment, le pays ici, j'ai pitié de ce pays. Voilà les diseurs de vérité. Et mon frère, donc c'est comme ça que tu manques depuis. Assimi Gaitan, Ranger Security. Mon frère, regarde-toi. Toujours avec la même veste. Tes chaussures sont comme pour ça dit que pour nos aïeux, des années 1800. Ouais, quand tu te tiens debout, on sent comment tu coules en bas. Et vraiment, tu nous fais honte. Hein. Nous, les fils de la forêt, ce n'est pas notre posture. Tu fais pitié. Tu dis que Bruno Bidjangma m'a donné l'argent pour parler de l'émasculer de Paul Chouta, celui qui souffre d'une typhoïde chronique, l'aristocrate de Paul Chouta, et que je parle de la dévégondée de Calliste Béala. J'ai pitié de toi, mon frère. J'ai pitié de toi. Et vraiment, regarde comment tu es malheureux. Tout ça, c'est toujours les miettes que tu veux toujours avoir venant de Facebook. Là. Mon frère, dans l'affaire d'Amougou Bellinga, là, vous êtes déjà tombé, vous ne valez plus rien. Bon, il fallait alors demander à ceux qui m'ont vu de me filmer comment je suis venu en taxi, Bruno Bidjangma m'a reçu. Pauvre de toi-même. Et où sont les preuves dont tu parles seulement? N'est-ce pas, tu as ta personne qui filme là, l'aristocrate de Paul Chouta. Et mon frère, je n'ai jamais eu de l'estime pour toi parce que tu es minable. Tu es pauvre, pauvre d'esprit, pauvre type, minable que tu sois.
Bon, Alain Foka t'a sodomisé, Juan Gomez t'a sodomisé. La récompense était que tu ailles caqueter comme tu caquettes là. Mais dommage. Ce qui est sûr d'ici peu de temps, tu peux même casser ta pipe. Parce que le rectum en a là déjà lâché. C'est pour ça que tu as plusieurs teintes. Regarde comment tu es. Tu n'as pas la morphologie d'un homme. Tu te moques de toi-même. Vous êtes minables. Vous ne valez rien. J'ai pitié de vous. Hein. Va encore te renseigner bien sur moi. Tu as tapé à côté. Tu es minable. Un pauvre type, un vaurien. Quand j'étais en prison, tu avais contacté ma femme. Elle peut te dire, elle t'avait dit le caractère que j'incarne. Un pauvre type comme toi. Tu dis que Bruno Bidjan, on m'a vu à la mobile et Ligisono. Chers frères et sœurs, hier, vendredi, j'étais à Dunamis FM où je suis consultant. J'ai fini l'émission au lieu dit Texaco Omnisports. Je suis directement rentré chez moi. Hier, j'étais à Royal FM. Après le débat, on s'est retrouvé au Tiapalo où on prend souvent le pot. Aux environs de 15h, je suis rentré directement chez moi. Quel jour Bruno Bidjan m'a reçu à la mobile et Ligisono, je suis venu en taxi. Regarde comment tu manques. Regarde comment tu manques. Vous avez formé votre trio. La nustocrate de Paul Chouta, ton collègue de la nustocratie, la dévégondée de Caliste Beyala. Maintenant, vous n'avez plus d'argument. Elle a disparu. Depuis que j'ai dit que ces vidéos, on a vu. C'est mes camps en l'air. Elle a disparu. Elle ne parle plus. Maintenant, tu es le porte-parole. Cherche autre chose. Parce que tu racontes là. Moi, je ne bois même pas d'abord l'alcool. Je ne suis pas un homme qui festoie, qui va dans les boîtes de nuit. Donc, ce que tu racontes même là, qu'on m'a vu au bunker. Réva, pauvre de toi-même. Cher frère, l'aigreur là, t'as fait même quoi? Tu t'en prends à tout le monde. Mon frère, un bêtis n'est pas pédé. L'une des particularités de l'homme bêtis, c'est qu'il adore la chair. Regarde comment tu as vendu ton rectum anal. Tu ne peux même pas sauter même comme ça là. Minable que tu sois. Seulement trouver les mensonges, les racontages sans aucune preuve. Tu ne montres jamais la preuve. Toujours en train de mentir. Tu es venu émasculer les idiots camerounais qui sont comme toi. Que certains proches d'Amourou Bellinga t'ont contacté pour te donner de l'argent. Tu as quelle influence? Quelle influence toi tu as? Tu représentes quoi? Tu vaux quoi? Tu as sucé tu as fait de la fellation à Alain Foka pour que tu deviennes ce que tu es là. Ça, c'était ça le prix à payer parce que depuis le Cameroun, tu exerçais déjà ça. Moi, j'indexe Foka. Alain, il t'a sodomisé. Juan Gomez t'a sodomisé. Tu es une femme, une femmelette. C'est pour ça qu'on t'ouvre les portes à RFI parce que c'est une radio des homosexuels. On connaît dans la presse camerounaise. Vous qui incarnez le siècle de la nustocratie, on vous connaît. On connaît votre genèse. Vous n'avez aucune traçabilité. Vous passez le temps à dire des choses sur les gens. Toi, tu me connais. Donc si moi, je vais l'argent au Cameroun, c'est chez Bruno Bidjan que j'irai prendre. Lui-même qui a un employé. Il a d'abord quoi? Lui-même un indigent. Il attend un salaire à la fin du mois. Minable que tu sois, pauvre type, l'aigreur va te tuer. Sans le ministre Mbaragamboua, tu serais mort. On avait décidé que tous les bêtises étaient réunis, qu'il fallait qu'on te liquide. Parce que tu t'es maître chanteur. Avec Martinez Zogo, on connaît ce que vous faisiez souvent. Tu étais allé en prison ici, là, parce que la femme qui est au palais, là, t'avait donné les documents, avait 100 000 francs. On t'a instrumentalisé, maître chanteur. Sans le ministre Mbaragamboua, on parlerait de toi aujourd'hui au passé, j'y peux remingono. Toi, un minable personnage comme toi. La réunion s'était passée chez le ministre Mbaragamboua pour te zigouiller. C'est lui qui s'était opposé. Il a dit laissez le minable là. Il t'a appelé, il a demandé à Santouké faire disparaître la poubelle humaine là. Toi, tu es quelqu'un. On t'entend parler là, tu parles, tu dis que Bruno Bidjan m'a reçu. Je suis comme toi. On t'amène de gauche à droite à Paris pour aller manger la sauce jaune. On te donne un peu 50 euros, va vilipender tel, va vilipender X. Tu vaux quoi? Les mêmes gens. La vie. J'ai été très jeune rédacteur en chef dans le journal Le Démenti de Georges Gilbert Bangoula. Amourou Bellinga travaillait. C'est des gens qui ont une traçabilité dans leur vie. Hein? Même ses fréquentations avec X ou Y.
Il a su jouer le jeu. Il emploie combien de Camerounais? Toi, tu emploies qui? Montre la photo d'un de tes enfants ou une de tes épouses. Tu utilisais la fille à autrui que tu as fait venir du Cameroun comme une porcelette. Une petite porcelette que tu utilises là-bas. Elle s'est fait sodomiser partout. Tu récoltes quelques dividendes. Tu parles. Toi, tu peux me parler. Regarde ton teint. Regarde ta posture d'homme. Tu ressembles au singe. Une poubelle humaine comme toi. Tu peux parler à Mugu Belinga. Il a trois épouses. Les actifs parlent à son avantage. Il a un statut social au Cameroun. On est allé dans ton village là-bas. Ta grand-mère dit que tu avais fait la promesse de venir construire la maison familiale. Jamais. Pauvre type comme ça. Avec les bagues comme les Magida du nord du Niger. Les chaussures sont grosses comme ça là. Habille-toi d'abord décemment. Même étant en France, ta morphologie ne change pas. Crasseux que tu sois. Misérable, minable homme que tu sois. Bah, c'est comme ça, quand tu racontes les mensonges là, les animaux qui sont comme toi, qui sont abonnés sur ta page, croient à ton petit mensonge. Bande d'anistocrate, un homme comme toi, tu vas sucer le pénis d'un autre homme parce que tu veux passer à RFI. Alain Foucault là. L'autre ordure, Alain Foucault, un PD. Et tu as sucé sa verge. Tout le monde t'a dit, on sait, on connaît ça, tu as sucé sa verge. Juan Gomez t'a sodomisé. Tes conneries que tu vas souvent raconter là, quand le coq s'est fait absenter sur la cour, la poule s'est fait appeler sa majesté. Tes conneries que quand tu les autres PD blancs là se moquent de toi, tu crois que tu parles. Tu parles même quoi? Si Santou ne t'avait pas donné le BTS gratuitement, un villageois, tu es arrivé à Radio Santou, tu n'avais que le brevet. Un imposteur comme ça là. Quand on vous entend parler, on croit que vous êtes quoi? Moi, j'ai fait la prison dignement. Je suis allé défier Paul Biya. Toi, c'était pour le chantage. Sans papa, sans que tu mourais là-bas. C'est à partir de là où on avait même d'abord commencé à te sodomiser. Le rectum m'avait lâché. Tu viens aujourd'hui parler. L'argent que tu reçois ici, des gens qui sont ici à Yaoundé, qui t'envoient pour saboter X ou Y. Regarde comment tu es pauvre. Tu as réussi un activiste qui était en prison. Il est venu en taxi. Il était au bunker. Vous vous êtes retrouvé à la mobile et l'Igisounou. Et pauvre de vous-même, ordure humaine que tu sois. Mon frère, moi j'ai des enfants. Hein. Je suis un hétérosexuel. Je bande comme un homme. Je vais avec les femmes. Un homme comme toi, tu fais la fellation à un autre homme parce qu'on va te recruter à RFI. Tu n'as pas honte?